un meurtre. Le plus célèbre détective de tous les temps. Hercule Poirot. Dans une fascinante croisière sur le Nil, parmi les grands mystères de l'histoire, où le plus grand de tous les mystères est qui a tué. Je sens la présence du mal partout autour de moi. Mort sur le Nil, d'après le chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Avec Peter Ustinov. Non, moi je fais seulement travailler mes petites cellules grises. Et 9 vedettes suspectes. Bette Davis. Vous êtes le parfait spécimen du petit parvenu français. Le parvenu belge, s'il vous plaît, madame. Mia Farrow. J'ai envie parfois de mettre ce revolver contre sa tête et comme ça, gentiment, de presser la détente. Angela Lansbury. Vous comprenez, je sais tout et je vais tout vous dire. David Niven. Elle devait connaître le meurtrier et le faire chanter. Maggie Smith. Mais pourquoi aurais-je tué madame Doyle? George Kennedy. Vous ne me collerez pas ça sur les bras. Moi? Moi? Jack Warden. Alors maintenant, vous croyez que je... Olivia Hussey. Lois Childs, dans le chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Jackie! Mort sur le Nil. Vous savez, Poirot, j'ai bien réfléchi. Tout le monde peut l'avoir tué. Tout le monde avait une raison de la tuer. Mais bien sûr, vous pensez savoir... Et Jane Birkin, dans un film de John Guillermin, le réalisateur de La Tour Infernale et King Kong. Nous savons presque tout ce qu'il y a à savoir, seulement ce que nous savons semble incroyable. C'est incroyable. Mais quelle absurdité! C'est scandaleux! Voici la plus insensée, la plus dangereuse affaire de sa carrière qui défie Hercule Poirot. Le meurtre était prémédité. Il doit deviner qui a tué. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai heureusement des yeux qui remarquent. Mystère en première classe. Meurtre de grand style. Le chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Mort sur le Nil.